Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc bienvenue tout le monde à cette nouvelle séance en matière de gestion de projet. Alors, cette fois, on va attaquer la partie table des tâches. Donc, on a déjà commencé par faire la fiche des projets, par faire la SBT. D'accord? Et aujourd'hui, on va faire la table des tâches. Okay? N'oubliez pas que j'attends toujours vos réalisations, votre STP, votre fiche de projet. Donc, jusqu'à Oui, présent, monsieur. Dan, il m'a envoyé quelque chose en rapport avec sa chaîne YouTube, mais les autres, j'ai rien reçu. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous devez à chaque fois m'envoyer vos documents, vos réalisations. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu de la table des tâches. Donc, la table des tâches, en fait, elle fait partie de ce qu'on appelle dans les projets la planification. Ça veut dire qu'on doit faire un plan avant de faire une action. Donc, la planification est là pour objectif de déterminer et d'ordonnancer les tâches. Ça veut dire, dans le temps, on va les répartir par ordre. Alors, puis estimer leur durée. Donc, l'estimation, c'est un calcul qu'on va faire. Leur durée, je pense qu'on a déjà fait l'estimation, n'est-ce pas? Dites-moi, on a fait la formule pour estimer le temps? Non, Non, on pas a encore. fait ça. On a fait. Ah, d'accord. Oui, on a fait. On a fait Elle a la fait. formule. D'accord, je me rappelle, oui. Alors, leur durée et les ressources nécessaires pour accomplir hein, ces tâches. Après, aujourd'hui, on va parler que des tâches. Donc, il existe plusieurs techniques pour parvenir à découper un projet en tâches. Donc, déjà, on a fait la SDP, donc c'est un découpage préalable. D'accord? Ça veut dire une tâche. Tu peux me dire comment peut-on vérifier qu'on est vraiment devant une tâche? Quels sont les éléments à vérifier avant de dire qu'on est devant une tâche? Tu peux me répondre. Monsieur, Oui. on va pas vérifier si c'est réalisable d'abord. Oui, mais à partir de trois éléments, on doit trouver trois éléments qui existent. Je vous rappelle, Le plan. une tâche, on doit l'affecter au moins à une personne. Dans une tâche, il y a au moins une action. Dans une tâche, il y a un livrable. À la fin, il y a un résultat. Donc, si on a ces trois choses, on peut dire que ça, c'est une tâche. OK. D'accord. Alors, il existe plusieurs techniques, comme on a dit, pour découper les tâches de projet. D'accord. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va essayer de faire aujourd'hui un autre découpage. Donc, on va faire un découpage tableau pour trouver l'ordonnancement des tâches et pour trouver leur durée, l'estimation de durée, et aussi pour affecter des ressources. OK. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, c'est la nouveauté. On va travailler sur ce qu'on appelle la table des tâches. Alors, souvent, les gens travaillent sur des tableaux comme ça, to-do list. Ce qu'il va faire, ce qu'il va sortir déjeuner, il va aller au lit, il va brosser les dents, il va prendre des dollars. Alors, nous, on va le faire de manière plus professionnelle. Alors, comment peut-on faire une planification dans le temps? Comment on va répartir les tâches de notre projet? Bien. Alors, on a Seb qui vient de nous rejoindre. Seb. Bonjour monsieur. Bonjour Sidi. Bien reçu. Ça va? Oh, Ania. c'est bien là. Alhamdulillah. Bon. Alors, ce qu'on va Allah faire, est on va prendre un tableau. belle. Et je vais faire ma table des tâches. Okay. Ici, on va faire une numérotation. On va faire le nom de la tâche, sa durée. On va mettre ici son prédécesseur. On a déjà parlé de ça l'autre fois. Et on va faire les ressources. Alors, ce tableau-là, on le nomme la table des tâches. D'accord? C'est un tableau normalement détaillé avec des titres. Oh. D'accord?
OK. Alors, supposons qu'on est devant une tâche. Donc, je fais 1 et j'introduis ici le numéro de la tâche. Par exemple, je fais ici réunion. Et durée 1 heure. Est-ce qu'il y a un prédécesseur? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de prédécesseur. Est-ce que j'aurai des ressources? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des personnes? Alors, toute l'équipe. Donc, tout le monde va participer à cette réunion. D'accord? Et je passe faire la deuxième tâche. Peut-être que ici, on va faire la conception du projet. C'est-à-dire, on va commencer à faire des schémas, des réalisations. Peut-être que ça va nous prendre 4 jours. Alors, le prédécesseur de cette tâche, c'est naturellement, c'est la première tâche. Je dois mettre ici 1. Et alors ici, on va mettre, par exemple, les concepteurs. Concepteurs qui vont travailler cette tâche-là. Je fais la troisième tâche. Donc là, je fais, par exemple, la maquette, la réalisation de la maquette. Réalisation. Alors, la réalisation, ça va nous prendre peut-être 14 jours de travail. Et le prédécesseur, bien sûr, c'est la fin de la tâche 1. Alors, on passe à ici, le programmeur. Okay. Donc, peut-être il s'agit ici d'un projet informatique. Alors, on va faire le test. Alors, le test, ça va nous prendre 2 jours. D'accord? Et on ne peut pas tester qu'après avoir terminé la réalisation. Alors ici, il y a une équipe qui va faire ça, les testeurs. Et à la fin, on va faire la livraison au client. Donc on va faire les installations, installer le programme informatique chez le client. Donc c'est une journée. Le prédécesseur, c'est après avoir terminé les tests. Donc ici, peut-être c'est l'équipe qui va être présente. Et pas pourquoi j'ai fait l'équipe avec le T. Et la dernière tâche, c'est la réunion de clôture. Réunion de clôture. Vous arrivez à voir ce que j'ai fait? Oui, monsieur. D'accord. Alors, on est devant un simple projet. Donc, la réunion, ça va prendre 1 heure. Après avoir terminé l'installation le jour même. Donc, 5. Alors, tout le monde. Alors, tout le monde, ça veut dire le client avec l'équipe. Alors, ce que j'ai fait là, c'est une table de tâches simplifiée. Ça veut dire une table qui nous montre l'ordonnancement des tâches. Donc, vous voyez l'ordre ici. Nous montre la durée de chaque tâche et quelles sont les liaisons par rapport aux autres tâches. Et en plus, on a le pouvoir de savoir qui va faire la tâche. D'accord? Donc, une tâche doit mener à une action. C'est une action, il y a du travail. Une tâche doit être affectée à une ressource et doit avoir une durée. Alors, qui peut me rappeler la formule pour estimer la durée? Ah, monsieur. Oui. On va prendre la durée optimiste. Plus la durée pessimiste. Le tout, on va additionner ça avec la durée la plus vraisemblable. Et on va multiplier la durée la plus vraisemblable par 2 et le tout divisé par 6, je crois. Bon. Pas tout à fait, mais on va faire un rappel. Alors, supposons que ici, je vais insérer 3 autres colonnes. Alors, tout le monde suit. 7. Oui, monsieur. Oui, Mac. C'était pas là l'autre fois. Hello, c'est la question de chief of source. Alors, optimiste. La durée pessimiste. C'est quoi pessimiste, Seth? Juste méchant, Seth? Optimiste. Optimiste, c'est ma wakit la moustabay b'chakal mizyan. Ah. Bien, pas. Optimiste ou le contraire?
D'accord. متشائم ومتفائل. أيه. Bravo. Ok, alors là, pour calculer la durée, on a besoin de ces trois informations. Alors, Saad. Saad. Oui, Saad, oui. Combien faut-il du temps pour aller depuis ta maison jusqu'à l'école, pour te déplacer? Une heure. Une heure. Donc, une heure, c'est la normale. C'est la normale, monsieur. Alors, si tu as de la chance, si quelqu'un va te prendre avec lui, ou si tu trouves que le transport il est disponible et que les routes, toutes les routes, ils ont le feu vert. Alors, dans combien de temps peux-tu arriver à l'école? Demi-heure, monsieur. D'accord. Donc, la plus vraisemblable, c'est une heure. C'est une heure. Oui. Et optimiste, demi-heure. C'est une demi-heure. Donc, une demi-heure, 30 minutes. Oui. Et alors, si tout va mal, tu n'as pas trouvé le moyen de transport, il y a l'embouteillage et tout va mal. Donc, combien de temps tu peux arriver à l'école? Deux heures et demie. On peut dire deux heures. Deux heures. Voilà. Vous voyez là? Donc, on a trois valeurs de la même action. Alors, comment peut-on trouver la durée, la moyenne? C'est pas la moyenne, mais c'est l'estimation du temps. Alors, ici, par exemple, au lieu de 30, je vais faire... Il est optimiste ou optimiste? Voilà. Monsieur? Oui? Monsieur, optimiste plus vraisemblable, plus 4 fois plus vraisemblable sur 6. C'est pas très clair ce que vous avez dit, mais on va le faire ensemble. Alors, déplacement de 7. Donc, optimiste, c'est une demi-heure. Pessimiste, c'est deux heures. Plus vraisemblable, c'est une heure. Alors, la durée, on va faire cette formule. Égale. Optimiste. Plus. Pessimiste. Plus. Entre parenthèses. La plus vraisemblable. Pessimiste. Fois. 4. Donc, on a combien de facteurs? Combien de valeurs ici? Combien de coefficients? 4. 4. 5. 6. On a 6. Parce que 1 plus 1 plus 4. Donc, le plus vraisemblable prend une place de 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser le tout par 6. Monsieur. Oui. Pourquoi le 4? Parce que on a de fortes chances à 4. Sur 6 déplacements, 4 déplacements de CED vont se faire dans le temps normal, en une heure. Parce que la première question que j'ai posée, combien de temps vous faut-il pour arriver à l'école? M'a répondu une heure. J'ai dit exceptionnellement, s'il y a des problèmes, si tout va mal, c'est pessimiste, c'est deux heures. C'est très rare. Et l'optimiste aussi, c'est très rare qu'on tombe dans le cas optimiste. C'est pour cela qu'on donne plus de valeur à la plus vraisemblable. Alors, on va diviser le tout par 6. Au fait, le temps qu'il faut essayer pour arriver à l'école, c'est 1 heure, quelque chose. OK? Donc, alors, je vais faire ici. Ah, c'est bien. Voilà. 1 heure, 0,8, quelque chose comme ça. C'est le temps qu'il doit prendre en considération pour arriver à l'école. Et c'est le temps qu'on doit affecter. C'est bien la durée. Hein? La moyenne. Là, c'est pas là, c'est plus que la moyenne. Parce qu'on n'a pas fait que la moyenne. Alors, si tu fais la moyenne, si tu fais une simple moyenne, qu'est-ce qui se passe là? Si tu fais une simple moyenne, on va trouver autre chose, c'est pas pareil. Oui, parce que oui, la moyenne, il va les prendre à part égale. Ils vont être à égalité. Là, on a donné plus de valeur à la plus vraisemblable. Okay? Ce n'est pas le même résultat. Alors, ça, c'est pour estimer le temps. Alors, on va masquer ça. Okay? Je remets la réunion ici. Réunion de lancement plutôt, c'est pas la clôture. Monsieur. Oui. On doit toujours diviser par 6. Oui.
Et pour la multiplication, on multiplie par 4. Mmh. Multiplier la plus vraisemblable, toujours par 4. D'accord. So, ça fait partie des statistiques. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les statisticiens qui donnent ça lorsqu'il s'agit d'estimer un temps. Okay. Alors, je fais ici une heure. Okay. Alors, maintenant, vous allez me dire, réfléchissez à ce tableau. Je vais le zoomer. Quelle est la durée du projet? Voilà, comment peut-on calculer la durée du projet? On dirait la forme en 7 de la durée, de toutes les durées. Il semble ça. Et ici. Vous êtes sûr? Oui, monsieur. Ça veut dire si je fais ici. Donc, une heure sur 0, sur 24 heures, ça fait quand? Sur 8 heures. C'est l'écart. 1 sur 8, ça donne combien? Bah, 25 sur 2, 12. 0, 0, 12. Ça, c'est 4. Ça, c'est 14. Ah, c'était 0,125. Il y a des guillemets. Mm. Donc 1, la même chose ici, 0, virgule. Vous savez c'est quoi le 0 à 12 que j'ai fait? Non, c'est 1 jour. Voilà, c'est un jour. On travaille 8 heures par jour. On travaille 8 heures par jour. Alors, si on fait la réunion pendant une heure, ça constitue 12% du temps de la journée. De la journée. Donc, on va diviser 8 sur... Sur 1, pardon. Donc on a 1 sur 8. 1 sur 8, ça donne 0,12. Donc 0,12, c'est le temps du travail d'une journée pour faire la réunion. Alors, Saad a dit, on doit faire, par exemple, pour calculer la durée du projet, on va faire la somme. Donc on va voir, est-ce que c'est correct? Il m'a donné 21 jours, 24. C'est-à-dire le projet, c'est 21 jours. Mais attention, est-ce que toutes les tâches vont se faire à la fois? Ça veut dire le même temps? Alors, ça veut dire qu'elles vont commencer tout en même temps. Non, monsieur. Elles ne vont pas commencer en même temps. Monsieur? Oui. Pourquoi la réunion de lancement et la réunion de clôture ont la même durée? Une heure. C'est une heure. Une heure de travail. Et lorsqu'il s'agit de mettre l'heure en jour, ça va donner ça. Parce qu'une heure, on a prévu une heure pour les deux réunions. Une heure ici et une heure là. D'accord? Oui. Alors, en fait, cette durée n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que si vous faites la somme, vous devez prendre en considération aussi la relation. Parce qu'il y a des tâches qui vont commencer, par exemple, ici. La deuxième, elle va commencer, elle aura 4 jours. 4 jours. Et celle-là, elle aura 14 jours. Donc, elle va aller très, très bien. Tu vois? Donc, 14 plus 4 plus 2 plus 4. Bon. Mais, est-ce qu'il y aura des tâches qui vont se faire en même temps? Alors, est-ce qu'on peut travailler avec la technique simultané, avec l'ingénierie simultanée? Est-ce qu'on peut économiser du temps ici en travaillant simultanément des choses? Par exemple, réunion avec conception? Non. Par contre, on peut faire conception, réalisation. On peut faire ça. Ou réalisation avec test. Réalisation et test. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas dire que test doit attendre la tâche 3 pour qu'elle se termine. D'accord? Pour qu'elle puisse commencer. On peut dire que test, il attend aussi la tâche 2. Il est relié avec la tâche 2. Et comme ça, on aura gagné 2 jours dans la durée. Elles vont se faire simultanément. En même temps, on va lancer 2 tâches. D'accord? Alors, l'exercice que je vais vous donner, on va prendre un cas plus ou moins... réalisable, c'est on va organiser une fête. D'accord? On va organiser une fête.
Et cette fête-là, elle comporte un certain nombre de tâches du début jusqu'à la fin. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, on va définir les dates de la fin. Supposons qu'on va faire une fête de remise de diplôme, hein? Par exemple, les lauréats. Vous voyez les lauréats? Donc, on va définir la date de la cérémonie. D'accord? Peut-être ça va nous prendre une journée pour définir cette date. On va dresser les listes des lauréats, des méritants et des invités. Peut-être qu'on va le faire en une seule journée aussi. La salle de réception, on va chercher à louer, à faire la location des salles. Peut-être le théâtre, peut-être la salle de fête, etc. Donc, on va chercher la salle pendant peut-être 7 jours. Ensuite, on va faire la réservation. La visite des salles, peut-être c'est 2 jours. On va faire le choix des salles en une journée. Donc, je veux que vous faites ça, la même chose. Vous allez me remplir ce tableau. Vous allez entrer des prédécesseurs. Vous allez essayer d'optimiser le temps pour qu'on puisse travailler simultanément certaines tâches. Alors, je vais vous expliquer juste le contenu des tâches. Ensuite, on va chercher les traiteurs. Parce qu'il y aura des gâteaux, il y aura des boissons, etc. On va réserver le traiteur et on va visiter les traiteurs. On va déguster ce qu'ils vont à nous présenter. Et on va chercher les gens qui font de la musique. Okay? Peut-être un animateur. Attends, là, il y a un décalage. Donc, on cherche un animateur. Les animateurs, ils vont parler, ils vont faire de la musique. Ils vont présenter plutôt. Hein? Les animateurs, ils vont présenter. Ensuite, le groupe musical. Et on va imprimer les invitations et les diplômes. C'est-à-dire, on va réaliser les diplômes attestations sur ordinateur. On va faire les invitations aussi, on va les rédiger, on va les envoyer. On va attendre la réponse des gens. Et ensuite, on va faire la relance téléphonique. C'est-à-dire, on va appeler les personnes pour confirmer leur invitation. D'accord? À la fin, on aura la liste définitive des participants qui vont venir et on va préparer les discours. Alors, tout ça, ce sont des préparatifs. Des préparatifs. Et le jour de la réception, le jour de la remise des diplômes, d'accord? On va préparer la matinée, on va préparer l'animateur, les hôtesses d'accueil, le traiteur, la musique, on va préparer la décoration et on va accueillir les invités, on va lire le Coran, on va présenter l'alcool, faire de la musique, il y aura un discours du président, on va faire les témoignages des étudiants, des professeurs. Et on va commencer à distribuer les attestations de mérite. Bon, on va faire la séance des photos, on va remettre les diplômes des management, on va faire la photo avec le management, on va remettre les diplômes de la filière informatique, ensuite on va faire le buffet VIP et le buffet public. Et à la fin, on va mettre fin à la cérémonie, on va remercier tout le monde, on va faire le bilan avec le traiteur, c'est-à-dire on va voir qu'est-ce qu'on doit au traiteur, et on va récupérer la décoration. Alors, tout ça, je vais partager avec vous ça. Donc, vous allez compléter les durées, les prédécesseurs, et vous proposer des ressources pour chacune des tâches. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. D'accord. Alors, qui d'autre? Mais monsieur. Le bilan avec le traiteur. Oui. On ne peut pas faire ça lors du choix du traiteur, genre quand on a déjà choisi le traiteur. Alors, le bilan veut dire que vous avez déjà payé une avance au traiteur et à la fin, d'accord, il vous reste à payer quelque chose. Alors, vous devez faire le bilan avec lui parce que peut-être ce qu'il a déposé, d'accord, ça dépasse ce que vous avez fait avec lui, ou peut-être il n'a pas consommé tout ce qu'il a amené avec lui, et peut-être vous lui devez de l'argent, le reste de l'avance, vous lui avez avancé, donc il faut faire le bilan, donc il va vous donner la facture, d'accord, vous devez lui donner le chèque, on appelle ça le bilan. D'accord. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. D'accord. Oui. Très, très bien. Alors ça, je vais vous le donner dans le classroom.
Donc, vous allez trouver ce fichier. Et aussi, on va mettre un extrait de l'enregistrement de la séance pour que vous puissiez revenir réviser ce qui a été dit. Et n'oubliez pas, cette séance, elle est récurrente. Chaque semaine, on aura cette séance au même horaire. D'accord? Alors, la deuxième séance, on va faire les systèmes d'exploitation. D'accord? Oui. Donc, on va la commencer à 16h. Pile. D'accord? À 16h? Oui. D'accord, monsieur. D'accord. Alors, de toute façon, je vais vous envoyer le rappel de l'invitation. Je vais vous l'envoyer. Là, il y a comme un autre lien spécial pour la. Ah, ça. D'accord. Et là, je vous souhaite bonne journée. On se revoit. Merci. On se revoit plus tard.